tout échange nos vœux contre des lecteurs, contre un paquet de pâles de farine. Ça va? Ça va, ça va. Ça va? Le bout de
Thank you.
Solidarité, avec les sans-papiers.
arrive. Des messages sur la justice climatique et la justice sociale. Il y avait Voltron avec ses visuels. Entre tout est lié. Il y avait la première génération, la deuxième génération. Demain, bien, et on sait aussi que ça suffit pas. Alors ce que j'espère, c'est que des rencontres comme ça entre le climat, la justice sociale, les sans-papiers, la défense du droit pour tous, il y avait Médecins du Monde, la santé, tout ça, que ça converge, que la démocratie, c'est fondamental, parce que... Pour justifier la France-Afrique, pour justifier la guerre au Mali, pour justifier l'invasion de toute une série de colonies, ou de CRS, ou de tout ce qu'il faut, la population africaine. Alors oui, clairement, c'était des arrestations, on va le dire et on va le répéter jusqu'à la fin de la campagne, jusqu'à leur relax. C'était des arrestations discriminatoires qui remettent en cause le droit de manifester. Et depuis le 30 mai 2020, l'ensemble des collectifs des sans-papiers, les 10 000 sans-papiers dans la rue, à Paris, les 1000 à Montreuil, c'est la marche des solidarités. J'attends, le droit de manifester. La France ne serait rien, hein? La France sans étrangers!
dans mon cœur. J'ai besoin qu'on s'unisse tous ensemble, tous,